Cité du Vin, c'est un lieu culturel qui a été inauguré le 1er juin 2016. C'est le nouveau lieu emblématique de la ville de Bordeaux. Donc dans le cadre de cette saison France-Roumanie, on a souhaité mettre en lumière ce patrimoine viticole roumain qui existe depuis l'Antiquité, mais qui est très méconnu en France. Donc on a programmé une série d'événements, donc à la fois pour découvrir les vins, pour découvrir l'histoire de la Roumanie, pour découvrir son économie, l'économie viticole, mais aussi ses terroirs et ses cépages emblématiques. C'est très frais. En plus, c'est magnifique à visiter la Transylvanie et des villages saxons. Et notamment le... Est-ce que pour le Schlieffwein que vous produisez, j'aurai l'occasion et le plaisir de présenter demain? Tout le long du week-end, on a également une carriole roumaine avec un chef roumain, Johan Bebeselea, qui nous a préparé des bouchées merveilleuses, préparées avec grand soin et qui sont accordées avec différents vins roumains. On vient de passer une première partie de journée assez fantastique avec conférence et là on sort d'une dégustation de vin. On a goûté 5 vins de Roumanie, des rosés, des blancs et des rouges, des vins traditionnels mais aussi des assemblages intéressants. Là, ce sont les grands vins des Carpates qui sont mis à l'honneur et qui sont commentés par Julia Scavo, une sommelière hors pair. C'était un immense plaisir et honneur pour moi d'être là, de parler de mon pays, des vins de mon pays. Je tiens à remercier à la Cité du Vin, un véritable temple du vin, de cet accueil. Pendant 3 jours, on met à l'honneur le vin, mais aussi la culture roumaine. Concert de ce soir, qui est un concert de jazz, musique traditionnelle, mais aussi une musique très contemporaine roumain avec des artistes de Roumanie et d'ailleurs.